Action. Quelle photo! Belle photo, hein. Quelle très belle photo. Photo! Très belle photo! Quelle photo! Quelle photo! Là, le repli défensif, il n'a pas été fait là! Non, 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 non. Il y en a une seule de fausse! Et déjà, il a joué la Ligue des Champions. Ah, j'ai passé une soirée avec un acteur de Fast and Furious. Lequel? Ouais, tu peux dire. Diesel. Ok, ok. J'ai joué mon premier match professionnel à la Beaujoire, à Nantes. C'est peut-être subtil ça. On m'a pris pour le fils d'un ballon d'or pendant presque une saison. C'était qui? Ayou? Non. Non, oh, yeah. C'était George Weah. La mère, j'allais le dire, George. J'ai connu un justicier nommé Eric Cantona. Ok. Il était déguisé ou? Non. Non. Attends, mais est-ce qu'il y en a une de vraie déjà dans... J'ai déjà joué la Ligue des Champions. Ouais, il l'a joué la Ligue des Champions. Okay. Donc il y en a une de fausse. Non, parce que tu sais, comme il jouait au non, PSG, il a joué avec Ronaldinho, ouais, il était dans la capitale et tout. Ouais, non, on m'a pris pour le fils de Ronaldinho quand même. Non, non. Non, non, mais non, t'as passé la soirée avec un acteur de Fast and Furious. Attends, il n'y a qu'une de fausse que... Si c'est la vrai. Question, c'était pas avec Ronaldinho. Une de fausse, ouais. Oui. Bah Fast and Furious, je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi. Je pense que Cantona, c'est vrai. Ouais. Ligue des Champions, c'est vrai. Oui. Et je pense que la Beaujoire à Nantes, il y a une couille dedans. Ouais, moi aussi, je pense. Je pense qu'en mode, il a peut-être fait contre Nantes, mais c'était pas la Beaujoire. Parce que ouais, tu ressembles un peu à Weah en plus. Ouais, maintenant aussi. Moi je dirais on m'a pris pour le fils d'un ballon d'or pendant presque une saison, c'est faux. Bah moi la 2 c'est faux alors. J'ai joué mon premier match professionnel à la Beaujoire à Nantes. Et pareil, j'ai joué mon premier match professionnel à la Beaujoire à Nantes, c'est faux. Moi la 3. La 3. On t'a pas pris pour le fils de Georges Weah, tu nous as menti. La réponse 2. Voilà. Putain. Oh mon dieu. Je vous l'ai parlé hier. Tu l'as parlé hier. Parce que j'ai dit que c'était écrit partout, mais j'ai pas commencé à Nantes, j'ai commencé à Toulouse. Ah ok. Bien joué Zina quand même. Okay. En toi c'est de participer. J'ai joué de la guitare. J'aime beaucoup la musique. J'ai des origines croates par ma mère. J'ai joué avec Jonathan Klose. Où? Où ça? Non, dis pas, dis pas. Non, je peux pas dire. Dis pas, dis pas. C'est facile, sinon. J'ai joué contre Villarreal pour mon premier match en Ligue des Champions. C'est vrai. J'ai eu mon bac avec mention bien, mais ça c'est vraiment vrai parce que ouais, je suis vraiment fort à l'école. Du premier coup? Oui, oh. Non, parce que JM il a passé 8 fois. Moi je pense qu'il sait jouer de la guitare. Moi aussi. Ouais. Moi je sais pas. Ah, je vais même faire du piano aussi, oui. Ouais, je pense qu'il a des origines croates aussi. Vas-y, moi j'ai mon truc. C'est pas facile. Ah, pas facile. Pas facile. Je pense pas qu'il va sortir le nom Jonathan Klose comme ça. C'est Dieu, c'est sûr, il a joué avec lui. Moi j'ai joué avec lui, vraiment. Ah. Dans quel championnat? Ligue 2. Ah, Ligue 2. Dominos Ligue 2. Klose n'a pas. Vas-y, moi c'est bon, j'ai ma réponse. Je vous laisse d'abord le dire, parce qu'après vous allez faire comme moi. Non, vous allez faire comme moi. Je connais JM. Je suis encore en réflexion. Ouais. T'as des origines croates, c'est ah, d'où ma mère. Ouais, mais d'où Zagreb. Hein. Zagreb. C'est assez simple. Ouais, très simple. Comme même ça. Moi, je connais la capitale. Ouais. Ouais, moi, j'aurais pu sortir Sénégal, Dakar. Non, ma mère, par contre, là, il a répondu très vite. Blonde aux yeux bleus, même. Si tu... ouais, ouais, blonde ma femme, les aux yeux, elle est pas de Croatie, hein, mais bon. Non, il veut faire comme moi, je les connais. La 3, j'ai joué avec Jonathan Klos. Moi, j'avais envie d'aller sur. J'ai joué contre Villarreal, mon premier match de Champions. Et moi, je vais dire, je sais jouer de la guitare. Je pense que c'est faux. Alors, j'ai vraiment joué de la guitare par contre. Donc, ça, c'est vrai. J'ai appris tout seul. Très fier. Par contre, c'est les origines. Mais c'est sûr, je savais, frère. Je savais que j'ai joué avec Jadavos, avec QRM, avec Quevilleur en métropole, une saison. Mais tu me l'avais dit. Oui. Après, tu l'avais dit, t'as eu faux. À domicile, j'avais joué contre Villarreal et j'ai eu mon bac avec mention bien. Bravo. J'étais pas loin du très bien, mais. Bravo, enfin, c'est déjà ça. Ouais. Mais les gars, la photo, c'est pas trop ça. Hein. C'est après ta frappe, je crois. Ah, mien. J'ai commencé le foot en tant que gardien. J'ai déjà déclenché la lame incendie. C'est sûr que c'est vrai. C'est sûr. Mon alimentation est à 90% composée de pâtes. Ouais. Mes parents m'ont appelé Zinedine en lien avec Zidane. Imad Abdelhi essaye de me donner des conseils de drague. Il y en a une que je te souhaite, être fausse, mais je pense que c'est pas ça. Moi, c'est 5, moi aussi. Ouais, j'espère que c'est faux. Oui, moi, c'est sûr que c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais je pense que c'est sûr que c'est vrai. L'alarme incendie, ça m'a. Alfortville, Vitry, c'est bon, c'est classique. C'est classique. 90% de pâtes, c'est faire que ça. Tout seul, c'est faire que ça. Pâte au beurre, toi, laisse tomber. Pâte au beurre, son ton, pâte au thon, pâte au thon. Pâte au thon, rien d'autre. Je suis en prison, quoi, les gars. Pâte au thon. Non, pâte à l'eau, pas loin. Ah, pâte à l'eau, quand même. Ah, Zizou, c'est possible. Ça s'appelle vrai. Ziné, t'es célibataire? Non? Mais pourquoi il te donne des conseils en drague? Pourquoi faire? Ouais, c'est un peu bizarre ce truc. C'est louche. C'est, louf, ouais. C'est un peu bizarre. Je dis qu'il a pas commencé en tant que goal. Moi je dis la 5. Il m'a donne pas du tout de conseils de drague. T'étais un bon gardien toi ou pas? Ça va, j'étais bon. Ouais.
La 5. Bravo encore, JM. Merci, mon père. Ah, il te connaît bien, hein. Oui, frère. Pour toi, t'es longiligne. Eh oui, mais non, il pue le foot, frère. Il pue le foot, t'es pas là. Hein. Je fais le football, les gars. Pire. Tu sais, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que la 5 soit vraie. Ouais, tu vois, ça par contre, ça. Ouais, ça. J'essaye de me drague. C'est un petit clin d'œil pour Imad, tu vois. Je suis bouillant à FIFA. Oh la vache. T'es bouilli, ouais. J'ai eu mon bac avec mention en ayant 0 en sport. Je suis un fan de hockey sur glace. Je suis né à Paris. Je suis bouillant à FIFA. Et mon petit frère est meilleur que moi au foot. T'as eu ton bac là récemment en plus? Ouais, très récemment. T'es né à Paris même? Non, pas à Paris même. Où? Je vais pas dire où, mais pas à Paris même. Ah, bizarre. Ah, t'es bizarre toi. Ouais, ouais, c'est bizarre. Vous êtes bizarre vous. En fait, il veut faire le mec de ouais, Paris. Ouais, mais t'es fan de hockey, c'est bien. Ouais, ils s'appellent comment les hockeyeurs ici? Les portes là, tu commences à poser beaucoup de questions. Non, les hockeyeurs d'ici, ils ont un nom, c'est comment? Les Ducs. Les Ducs, ouais. Les Ducs. Ils sont combien là? Les Ducs Neuville, ils sont deuxième. Ok. C'est quoi ton équipe à FIFA? Mon équipe à FIFA? Oui. PSG. PSG. Ouais. Tu fais jouer Kiki en pointe ou sur le côté? Kiki en pointe. Moi, j'ai la mienne. Je suis né à Paris. Ok. Moi, je dirais, je suis fan de hockey sur glace. Ok. Non, je suis pas un fan de hockey sur glace. Et je suis né en fermé. Les gars. C'est pas Paris? Les gars, là, tu c'est pas Paris! Si je suis né à Angers ou je suis né à Nantes, c'est pas pareil! C'est bancal, là, c'est bancal! Ok, on est tous à 2e. Ouais, là, c'est bancal! Je sens une pointe de mauvaise foi. Tu dis, ça pue la mauvaise foi, ça. Oh, mais non, Jean-Mich, pas... quand tu dis championnat d'Europe, c'est Ligue 1, truc comme ça? L'Euro! Ah, ok. Donc, ça, c'est vrai. Et quelle génération, Jean-Mich? 9-9. Hein? Quelle génération? Hein? Ok. 83. Donc, j'ai déjà gagné un championnat d'Europe. Okay. J'ai connu Raymond Domenech en équipe de France Espoir. C'est vrai, il était Espoir avant. Mon fils adore regarder les matchs de SCO. J'espère que c'est faux. Luis Hernandez est le coach qui m'a lancé en Ligue 1. Ça, c'est possible. La cadre, ouais, les si, fausses. Parce que Domenech, c'était avant d'être numéro 1, c'était Espoir. Vous avez un indice ou pas? Oui, ça, son fils, je le vois crier. C'est pas du savais, t'avais pas besoin d'un indice. Son fils, je sais qu'il aime bien parce que je l'entends crier dans les tribunes. Mais Raymond Domenech, vraiment, il était coach espoir avant de passer chez les A. Ouais, c'était 13 ans. Et il a fait espoir, Jim? Ouais. Bah, ouais, respect quand même. Ouais, grand joueur. Respect. Bah, dire. T'étais pas né, mais respect. Pas né, mais. Tu voulais pas bad. Bad. T'étais pas bad. Regarde, c'est crampon, bad. Franchement, moi, je dis la 3. Mon fils adore regarder les matchs du SCO. Je peux dire la même ou pas? Bah oui, tu me dis. Tu peux. Allez, je vais dire la 3. Et moi, je dis la 5. Luis Fernandez est le coach qui m'a lancé en Ligue 1. Bah, bravo à personne. Vous êtes tous fous. J'ai pas de fils, j'ai deux filles. Ah oui. Bien joué. Son fils, je sais qu'il aime bien parce que je l'entends crier dans les tribunes. C'est pas Louis qui m'a lancé. C'est qui? C'est Vahid Ayloud. Bah voilà, c'était sûr. Ça marche pas. J'ai pas gagné le championnat d'Europe, j'ai été que demi-finaliste. Et j'ai pas connu Raymond Domenech en espoir. Parce que j'ai connu que René Girard. Ça te fait un point, ça te fait un point. On a été catastrophe. Il revient dans la course. Eh oui. Bien joué. Eh oui. Alors la première, c'est j'ai jamais marqué en Ligue 1. Je suis dans le top 500 sur Call of Duty et ça c'est faux. Et ça c'est totalement moi. Déjà les trois dernières c'est faux les gars. J'ai en équipe de France jeune, les 16 non. Et 17. J'ai marqué lors de mon premier match en pro. Très très bon souvenir. Contre qui? Châteauroux. C'est beau. Et j'ai joué mon premier match en pro avec Strasbourg. Bah, c'est faux, il a été formé à Amiens, il a jamais joué à Strasbourg. J'ai jamais joué à Strasbourg, j'ai fait un an à Strasbourg. Il a jamais joué à Strasbourg. Si, si, il avait les cheveux longs et tout. Si, si, je me rappelle. Merci. Après, je n'ai jamais marqué en Ligue 1, ça peut-être. Non, s'il a marqué, je suis un ouf. Respect. C'est soit équipe de France jeune, soit Strasbourg. Il a dû mettre un centre au hasard, deuxième poteau, but. Un dégagement qui finit au fond. Pour moi, je dirais deux, moi. Moi, je dirais deux. Ouais, trois, ça me menace pas. Trois. Non, je tente là, une. Putain, elle est pas mal celle-là. J'ai jamais marqué. Bah oui! Il savait, frère! Il est là, il revient! Il savait qu'il est après l'heure de jeu! Il est là! Ça, c'est un temps fort, ça! Lâche rien! En mode Call of, je suis pas mal, par contre. Vraiment pas mal. Ouais, t'es moyen. Mais ça va. T'es pas mauvais. Oh, quel retour! Là, j'ai fait rentrer les attaquants, on est passé en 4-3-3. C'est le deuxième. Et là. Allez! T'as, je suis revenu dans la course, on sait pas comment. À la maison, c'est moi qui cuisine pour la famille. J'ai vu le gardien jusqu'en U12. J'ai fait mon premier match en pro à 16 ans. Je suis au SCO depuis plus longtemps que Pierrot. Et j'ai toujours joué avec la même marque de chaussures. Je crois savoir. Moi je crois savoir aussi. Il n'y en a qu'une de vraie. Il n'y en a qu'une de vraie. Et moi je pense savoir c'est laquelle. Moi, aussi. Moi je pense qu'il n'y a personne à trouver ça. Tu dis quoi toi? Moi je dirais, je suis au SCO depuis plus longtemps que Pierrick Capel. Toi tu dirais quoi? Mais regarde pas en mode de mes complicités.
En tout cas, il y en a une qui est fausse, c'est sûr. C'est la maison, c'est lui qui cuisine, c'est et sûr. Ouais, ça, on sait. Ça, les marques de chaussures, c'est faux, je l'ai déjà vu jouer. Voilà, donc déjà, il en reste plus que 3. Moi, j'hésitais, moi, avec. J'ai joué gardien jusqu'en U12. Et le pro à 16 ans. Allez, on commence par GM. Moi, je reste sur. J'ai joué gardien jusqu'en U12. Moi, je suis au SCO depuis plus longtemps que Pierre Capel. Bah, je fais le dernier. J'ai fait mon premier match pro à 16 ans. Bah, bien joué. Il a gagné. Merci, les gars, merci. C'est 10 ans. Merci. Je connais l'histoire de mon club, tu vois. Ouais. Je suis végétarien. Je suis végétarien. Ça, c'est drôle. Plus de légumes. Alors que t'as commandé avec Mehdi le restaurant, là, t'as pris poulet kefta. Ouais, poulet kefta. Les gars, c'est comme ça que vous parlez, les gars. Ouais. Ok, là, il y en a qu'une de vraie. Je suis végétarien. Mes réseaux sociaux sont gérés par un joueur du vestiaire. Lors de mes vacances, j'ai échangé avec Karim Benzema. Échangé, tu sais, c'est. J'ai échangé Karim. Salut. Il était à 100 mètres de celui, Karim. Lors d'un match, j'ai déjà mis un doublé contre mon camp. Non mais c'est professionnel, on sait pas aussi. Ouais, c'est sur un jour de match. En jeune. Pendant 18 ans, je suis toujours allé en vacances dans le même endroit. Bah ouais, le mec il va au quartier, à Vitry. Effectivement. À Farville, les gars. Ça fait 18 ans. Farville, des Alouettes. En plus, c'est sûr que c'est vrai. Déjà, je suis végétarien, c'est totalement faux. C'est il a une de vrai, là. C'est absurde, même. Je pense que vous allez être surpris. Non, arrête, t'arrêtes de rentrer dans l'été. Les disquettes d'Alfortville. Pendant 18 ans, je suis allé en vacances dans le même endroit. Ça, j'y crois trop. C'est-à-dire, t'as croisé Karim au même endroit pendant 18 ans, mais lui, va pas au même endroit Karim que toi. Karim, il a pas été à Alfortville. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il fait pas les mêmes endroits que toi, je pense. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ça peut pas être. Après, il a vu à l'aéroport, toi. Karim, il prenait une destination, il en a une autre, il doit faire un signe. Un doublé, il a pu mettre un doublé, lui. Un vrai doublé. Si vous voulez voir votre moi c'était à Mykonos. T'étais avec qui Mykonos? Avec des potes à Mykonos. Et c'était les dernières. 18 ans t'étais à Mykonos? Non. Ah, c'est vrai, c'est récent. Disney, c'était les dernières. En plus Mykonos, non? Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. T'as quel âge, 20 ans là? Non. Et je sais que Karim il est pas là à Mykonos il y a 2 ans. Non, il a pas été. Je l'ai pas croisé. Moi aussi. Moi j'y étais aussi, j'y étais il y a 2 ans. On était 3, bah. Genre t'as un conseiller en com dans le vestiaire? Non, pas en com. Je mets cette photo. Moi aussi, je vois bien moi. Je vois bien le truc, mais t'as qu'une conseiller d'image. Je vois bien Ziné Ferrat lui dire, vas-y, passe là, les dards et tout. Moi, je dis, c'est quoi la 5? Tu partais avec tes parents, ça se trouve, pendant 18 ans, au camping, comme ça. Ou en Algérie, ou quelque chose comme ça. Ah, moi, 5 pour moi. 2 pour moi. J'ai très peur. Ah, allez. De toute façon, si je perds, on enlève un point Jordan. J'ai déjà mis un doublé contre mon camp. Ça me déçoit, j'ai envie que tu penses ça. Ah, t'es capable. Yes. T'es capable. Yes. Ok, attends. 10 fausses par faux. 10 fausses. J'ai envie, c'est faux. Ok. Je suis végétarien, c'est faux. Ok. Bah, attends, passe par là. Les sociaux sont gérés par un joueur du vestiaire. C'est faux, genre. Ah, c'est la sainte. Jamais. Attends, c'est pas possible. C'est entre toi et moi. Non, il a perdu. J'ai changé avec Benzema. C'est faux. Ah, il a gagné, Jordan. La sainte. Jordan, bravo. Merci. Tu partais où alors? Tu partais où? Veux savoir. On va aller dans le même endroit en Algérie, à Tizi Ouzou. Ah, t'es sûr? Merci. Bravo, Jordan. J'ai été sûr pendant 18 ans, c'est sûr. Mais c'était sûr. Tu partais en voiture à 18 ans?